Tac. Bon. On avait condamné le père du... Ah non, on l'avait pas condamné, c'est vrai. Au final. Allez, la dernière enquête. A priori, là, c'est la pièce où il y avait la voisine. Hein. Elle faisait des trucs spirituels, tout ça. On va lancer. Petite fraise. Holmes, enfin vous voilà. Kate est introuvable. Quoi? Elle est partie pour sa leçon, mais son professeur dit qu'elle ne s'est pas présentée. Madame Hudson! Elle est sortie pour interroger les voisins. Quoi? Comment ça? Où est ma fille? Qui a kidnappé notre fille? Tu es là? Kate! C'est pas croyable. Un dessin. Une tasse de thé. Oui, non, mais faut que je prenne attention aux détails, mais. Ah! Elle a attache ton quelque chose ici. Elle est disparue. Elle a pris son journal intime. Un petit journal. Elle a fugué? Oh, ces gamins. Que s'est-il passé ici? Pourquoi aurait-elle pris sa valise? Parti en vacances. Ouais, c'est barré en fait. Pourquoi est-ce resté ouvert? Elle a pris toutes ses préférées. Kate a fait ses bagages et elle est partie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Ça venait de l'appartement d'Alice. Alice! Là. Kate! Kate! Où es-tu? Il est sorti d'où cette hache? Il fait un mauvais bad trip. C'est elle! Alice, c'est le vipère! Elle l'a perturbé! Quoi? Alice, où est ma fille? Vous n'avez pas de fille, monsieur Holmes. Vous n'en avez jamais eu? Mon Dieu, ma fille, que lui avez-vous fait? Ce que vous n'avez jamais su faire, la rendre heureuse. Mais... Je me fiche de ce que vous pensez. Où est Kate? Imbécile, vous n'êtes rien pour elle. Pourquoi vous acharner? Une petite gifle, hein? Non, on va pas la gifler. Holmes, c'est inutile. Elle ne parlera pas. Je la ferai parler. C'est inutile, Holmes. Utilisez plutôt votre tête. Je m'occupe d'elle. Attends, mais... Au départ, oui, on avait des doutes. Et là, après, elle fait... Ouais, non, c'est bon. On voulait pas trop... Comment dire... On voulait pas me venger, je voulais juste savoir. Et elle me fait ce coup-là, sérieusement. Je me souviens de ma dernière visite ici. Cet endroit a changé. Il manque quelque chose ici. Le bouquin. Le fameux bouquin. Ce grimoire. Ah! Oh! Table d'invocation.
Attends, il y avait quoi? Il n'y a plus de faux infos. J'avoue. Un île berceau. Qu'est-ce que... Bah, les bougies, elles ont fondu. Fauteuil roulant, il est de l'autre côté. Ok, il y a le berceau. C'est ce que j'ai entendu en haut. Qu'est-ce qui a cassé que quoi? Pardon, Watson. Une horloge. Miroir était là. Non, est-ce qu'on a tout? Alice est entrée par là. Je vais parler deux secondes. On va l'analyser. Expression, elle est en colère. C'est moi qui devrais être en colère. Pourquoi elle a un chapeau? Ah, elle avait rendu visite à quelqu'un en prison. Il est peut-être mort. C'est pour ça qu'elle est en deuil. Billet de train. Oh, oh. Utiliser de la craie? Alors, faut que j'utilise ma tête. Qu'est-ce qui manque? Tellement de choses. Placard? Bah. Des bruits bizarres. Est-ce qu'on peut voir? Pas maintenant. Ah, on peut pas visiter en haut. Oui, non, mais le placard, il n'a pas changé. Je clique sur tout, mais... Ok, on peut dire le placard. Plus jamais. Non, mon choix n'est pas tout à fait correct. Non, mon choix n'est pas tout à fait correct. Ce qui est quand même là, même si ça a bougé de place. Le berceau, il a bougé. Plus le phonographe. Hein. Donc elle l'a mis autre part. Je ne le vois pas. Le fauteuil roulant, il s'est déplacé. Le portrait, les bougies, elles ont fondu. Mon choix n'est pas tout à fait correct. Qu'est-ce que quoi? Attends, miroir. Miroir, mon beau miroir. Ok, il est là-bas. Non, mon choix n'est pas tout à fait correct. Comment ça? Un portrait de William. J'ai entendu un bruit bizarre. Dans les grimoires. La table d'invocation. Qu'est-ce qui manque?
Ah, ce bébé là-bas, je l'avais pas vu. Il fait flipper. Ah, pour moi, c'est bon ? Non ? Non, mon choix n'est pas tout à fait correct. Pas des photos par terre. Il y avait des trucs là. On peut avoir une aide ? Sélectionnez les objets qui ont disparu depuis votre dernière visite. Vous pouvez les désectionner si vous changez d'avis. Bien sûr, le portrait il doit être quelque part. Mais j'arrive pas à le. Non, c'est pas le même. Le portrait du père d'Alice, William Hamilton, ah, ainsi que des objets nécessaires pour une séance de spiritisme ont disparu. Bon, pour moi, les bougies, enfin... Je peux pas retourner, non. Ah bah, c'est les bougies autour, elles ont juste... fondu, quoi. Base. Vêtements en deuil. Avec le père. Ah, peut-être avec le billet de train, évidemment. Visite au cimetière. Il est probable qu'Alice se soit rendue au cimetière d'Edgate avant... Oups. Avant de revenir à Baker Street. Ouais, tout ça, ça, c'était là, mais... Spiritisme avec son père Alice a dû s'adonner à une séance de spiritisme pour parler à son père William Hamilton qu'on avait entendu avec le phonographe. Crypte familiale. Alice a pu se rendre au cimetière d'Highgate dans la matinée à la crypte de son père William Hamilton où elle a effectué une séance de spiritisme pour lui parler. Aurait-elle amené Kate là-bas? La piste conduit au cimetière. Watson, tenez-la à l'œil. Je reviens, Watson. Kate, tu es là ? Wow, gros TP, hein. Kate, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? What the hell ? Au croisement. Croisement des chemins. Des quatre autres. Et trouver la crypte. Aller au vieux cimetière. Foulé aux pieds. Victime de plomb. Traceur des chemins. Ah, tellement de trucs. Géant sous la terre. Ces inscriptions appartiennent toutes à un seul message. Un guide. Vous le dites. Petit journal. Ah mais... Je suis avec Alice au cimetière. Nous allons parler à son père. La cérémonie me fait peur, bien sûr, mais j'ai hâte d'y participer. Je ne devrais pas laisser la peur m'envahir, car la suite sera sans doute encore plus effrayante. Et elle est si belle. Elle a préparé les bougies, le portrait. Elle est si calme. Je ne peux pas m'empêcher de trembler. Elle commence, elle l'appelle, elle se replie sur elle-même. Et elle marmonne. Je ne comprends rien. Elle parle dans une langue étrange. Elle tient une craie dans chaque main. Je tremble, je n'arrive pas à m'arrêter. Mes yeux se révulsent, elle semble convulsée. Comme si elle allait mourir. Elle ne me voit pas. Elle commence à parler avec sa voix à lui. Et c'est horrible. J'ai envie de pleurer. J'ai écrit partout avec les décrets. Elle écrit partout avec les décrets. Où le trouverons-nous, père ?
Ma fille. Alice? Je connais la réponse à ta question. Je n'arrive pas à croire qu'Alice ait fait subir tout ceci à ma pauvre petite fille. La maudite! Ça, c'est une sortie scolaire, hein. La valise de Kate. Pourquoi l'a-t-elle laissée ici? Mais elle est partie où? Parce qu'elle est revenue, l'autre, hein. Les bougies. Ces bougies sont allumées depuis près de 3 heures. Ce fameux grimoire. Alice a apporté tout ça pour accomplir un rituel. Avec la table. C'est ici que le père d'Alice a été enterré. Hmm. Il manque des choses, non? Ouais, il y a la porte, mais... inscription au mur. Kate! Oh, Seigneur. C'est le père d'Alice. Il est momifié. What? Il faut pas faire ça. Ni de serpent et conspiration. Dans le quartier de Saint-Victor, au cours de la démolition d'une vieille bâtisse, les maçons ont découvert un nid de serpent. On l'avait déjà lu. À l'enquête précédente, on l'avait trouvé. On l'avait déjà lu. Un nid de serpent comptant plus d'une centaine de reptiles grouillants. Ces animaux vivaient au fond d'un puits asséché depuis longtemps. Au milieu du nid se trouvait le squelette d'un enfant qui avait sans doute trouvé la mort en tombant dans le puits. Curieusement, le squelette en question tenait encore un porte-document de Marocain rouge, dont le contenu avait beaucoup souffert, à l'exception d'une bande de papier sur laquelle on lisait encore « Ne pas dévoiler le complot ». C'est le père d'Alice. Il est momifié. Avec un fouet ? Une lampe tempête. Une lampe tempête. Ouais, non. Il y a un sextant. Une carte des cours d'eau britanniques. C'est un... Madame Destiny. Alice garde les affaires de son père dans cette pièce, y compris la cantine de son bateau. Tu vas pas bouger, hein. Tu restes momifié. Pourquoi il y a un lit? Il y a d'autres pleins de papiers par terre. Alice vient dormir ici. Alice n'est pas seulement excentrique. Elle est complètement dérangée. J'espère que Kate n'a pas vu ça. Cette sorcière, Alice, elle a emmené ma fille plus loin. Elles ont suivi les indications de ce message. Elles sont allées au vieux cimetière. Le vieux cimetière. Dépêchons-nous. Nous devons trouver Kate. Tiens bon, Kate. Oula. Inspectez les crypts du cimetière et sélectionnez les 4 qui sont mentionnés dans le message d'Alice. Le mode imagination ne pourrait vous permettre. William Shaw. Les messages. Crypte anonyme. Ah, c'est grand. Un cimetière, faut dire. Mais je dois me rappeler quelques détails sur certaines célébrités enterrées ici. Admissionné juge en chef de Kellan, avocat anglais. Anonyme. Non, c'est quoi le message d'Alice?
aller au vieux cimetière et trouver la crypte au croisement des quatre autres. Attends. Victime de plomb, traceur des chemins, géant sous terre, foulé aux pieds. On est arrivé de là. Au croisement des quatre autres. Matthew, originaire d'Oxford, avec trois frères cadets, peignait des portraits miniatures. Je ne vois pas. A vécu à la... A survécu à la tuberculose. Écrivait en dialecte cubrien. Poète. Non, je pense pas. Anonyme. Joueur invétéré, abattu au cours d'un duel, victime de plomb. Ah, bonjour Eldar. Londonien architecte, lui. Je peux visualiser. Donc lui, c'est le victime de plomb. Tué par un éléphant, par les arabes et chinois, explorateur. Un explorateur ? Vu qu'il explore, il crée des chemins. Possible. On a commencé il n'y a pas longtemps l'enquête. On a perdu notre fille. Elle a été plus ou moins kidnappée. Comment on va ? Crypte anonyme. Que tu... Ah. Oui, oui. Une petite enquête par jour, ça s'est fait. On a que 5, a priori, donc elle dure pas très longtemps. Donc lui, sinon ça va, ouais. A étudié au collège d'Ethnon, mort du typhus à Beyrouth, botaniste. Ah, il faut. Hein. Moins que dans un lit avec grand écran et tout. A démissionné, juge en chef. Ah oui, non, mais c'est l'avocat anglais. Lui, on l'avait déjà. Après, c'est le dimanche. A le droit à la grasse mat. Victime de plomb, on l'a eu. J'ai mangé une presse. Soit il n'y en a pas en haut. Ah, adresser une carte des routes principales d'Angleterre. Voilà, amateur de café, cartographe. Plus lui. Mais on n'a pas visualisé. Il m'a fait peur en tournant sa tête.
c'est une petite maison. Donc si on va là-bas. Gauche ou droite? Géant sous la terre. Est-ce qu'on peut pas... Un truc profond. Après, il est botaniste. Donc... Ah, un boxeur amateur, poissonnier réputé, irlandais de naissance. Est-ce que tu veux, tu peux devenir irlandais sans être né irlandais? Après le fouler au pied. Ça me paraît bizarre. Observer attentivement pour trouver... Ouais. Lui on l'a. Il est tout en haut. Attends. Vu que là on est sur une espèce de petite colline. Enfin, une petite butée. Que ce serait pas... Ouais non. Un truc qui m'échappe. Archéologue. Non. Va mesurer plus de 2 mètres, posséder une collection de vestiges britto-romains. C'est bon. Le dernier foulé au pied. Il est mort parce qu'il s'est foulé la jambe. Embêtant. Ouais, je vais avoir un vétéré, c'est un architecte. Non mais celui-là on l'avait déjà. Tué par un éléphant quand même. Hein. Après un boxeur, tu peux te fouler le pied, mais. Pas où. Ah, tous les coups, ça doit être un bail de maladie, non? Qui te prend la jambe? Non, nous sommes dans un jeu vidéo. Pas besoin de réfléchir. Ouais, il y en a 4.
Le cimetière de la crypte au croisement des quatre autres. Théoriquement, si on a les trois, si on a trois points, on peut déterminer le quatrième. Et ainsi le croisement de tous. Mais boxeur, ça n'aide pas. On peut le voir. Il est là, il est là, il est là-bas. Un truc bizarre avec une lueur étrange. Hein. Ah ok, lui aussi. Si on prend lui. J'ai dû me tromper en choisissant certains noms. Ouais. Ça doit être lui le problème. Vu qu'il est là. Là-bas est là. Il va y avoir un truc. On n'est pas le poète. Donc que ce soit en haut. Il y en avait qu'une. Là, ma fille a le temps de mourir 50 fois avant que je trouve. Hein. Pas de problème. Ah mais ce dernier indice. Là, ça fait tac tac tac. Quatrième, il est là. Ah bah c'est là-bas en fait. Obligé. Et lui. J'ai dû me tromper en choisissant certains noms. Oui, non. C'est en vision comme ça. Ça fait un sacré croisement. Ah, ça peut le faire. Tué par un éléphant. Est-ce que c'est la bonne ? Kate ! Kate ! Oula. Kate, mon enfant. J'ignore quand tu entendras son message.
Mais je sais qu'un jour tu seras là, Kate. Mon sang, ma lumière. Je maudis le jour où je t'ai perdu dans le monde des vivants. La mort n'est rien pour moi. Mais devoir te quitter, te laisser avec lui. Holmes. Sherlock Holmes. Ma fille, tu dois savoir. Il est ton pire ennemi. Mais il aime tant se cacher derrière le masque de sa moralité qu'il n'aurait jamais pu te tuer. Holmes. Holmes, Holmes. Il ne t'a certainement jamais comprise. Et je le regrette. J'espère que tu n'as pas trop pleuré de l'avoir pour père. Je suis sûr que tu l'avais souffert aussi. Ne sois pas triste, mon enfant. C'est lui qui m'a tué. Mais tu as enfin une réponse à tes questions. Tu es ma fille. Ce qui compte, c'est que tu poursuis mon œuvre. Rejoins notre cause. Tu seras l'impératrice du mal. Ma Kate. Ma chaîne. Devant Holmes et le monde entier. Voici l'avènement de Kate Moriarty. Moriarty. Non. Kate. Oh non. Elle sait tout à présent. Mais pourquoi a-t-il fallu que ça se passe ainsi? Ah. Ouais, c'est bien ce que je me disais. La dynamique d'un astéroïde. Par le professeur James Moriarty. Bah, il est là, le petit Moriarty. En observant les déplacements des corps célestes au télescope, j'ai découvert deux nouvelles étoiles, que j'ai baptisées Mirac et Adil. Associées à d'autres étoiles moins lumineuses, elles forment une merveilleuse constellation, dont la forme me rappelle ma chère enfant, ma petite Kathleen. Une étoile métallique, avec une gravure très précise. On va en avoir besoin. Kate, toute petite, avec son père. Bon, il est mort au chute de Imbambak. Je sais plus, c'est un nom un peu. Depuis l'enfance, je ne suis pas comme les autres. Je ne vois pas comme les autres. Je n'ai pas pu tirer mes passions d'une source commune. À la même source que je n'ai pas puisé mon chagrin. Je n'ai pas eu la fortune d'éveiller mon cœur à la commune joie. Et tout ce que j'aimais ne plaisait qu'à moi. Puis dans mon enfance, alors que débutait une vie bien peu normale, j'appris des profondeurs du bien et du mal. Le mystère qui me lie encore, du torrent ou de la fontaine, de la montagne aux rouges parois, du soleil qui décrivait un domaine d'or automnal autour de moi, de l'éclair au firmament, qui à mes côtés vola vivement. Du tonnerre et de l'orage, et de la forme prise par un nuage, alors que le reste du ciel restait bleu, d'un démon devant mes yeux. Stylé. Kate avait ce ruban dans les cheveux. Kate a rencontré son véritable père. Il faut que je trouve Alice. Cette fois, je la ferai parler. Professeur James Moriarty. Comme je ne pouvais m'arrêter pour la mort, c'est elle qui s'est arrêtée pour moi. L'attelage n'emporta que nous et l'immortalité. C'était fou. Donc là, cette broche a un truc très spécial. Enfin, broche. Des marques sur le sol. Faut que j'y retourne. Après cette statue. Enfin, ce bus. Enfin, cette tête.
aller retourner voir Alice. Ah bah super. C'est bloqué de l'extérieur. Quoi ? Alice ! Acceptez votre mort, idiot ! Sorcière ! Laissez-moi sortir ! Libérez Kate ! Revenez, sorcière ! Bon bah, on va pas pouvoir retourner la voir. Garde la tête froide, Sherlock. C'est la seule façon de sortir d'ici. Mais Watson la tenait en joue. Oh, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moriarty doit avoir installé une énigme d'astronome ici. Ok. On va prendre ça. Il nous faut... est-ce qu'on peut pas le voir ? Voilà. Je suppose qu'il va falloir reproduire ça. Ok, c'est bon, il est directement là. Donc là, si je mets ça là. Puis ici. Attends. On va commencer par en bas. Si je fais ça. Ok. Ah mais faux. Donc faut aussi faire ça. Normalement ici. Ah oui non mais ça marche pas. Ah. Oh. Faire attention. Ah mais je peux pas le remettre ici. Si ? Tac tac tac. Et je le fais là. Non. Donc, on va partir de là. Le dernier point ici, là on va pouvoir le monter. Ici. Après normalement ça devrait être lui. La tiro. Tourne. Donc il est là. Sachant que... On va faire lui. C'est bon. Ensuite, soit on monte, soit on redescend. Non. Faut que ça fasse. Là, il n'y en a pas de direct. Donc ça va être celui-là.
lui. On s'est trompé. Parce que là, faudra que je le mette ici, puis en haut. À moins qu'il y ait moyen de tricher. Non, parce qu'il faut le mettre là et après ici. Sauf la ligne elle est déjà faite. Je pense pas qu'on puisse refaire sur une ligne. Bon, laisse-moi voir. Ouais, voilà. Donc là. Ça c'est bon. Après lui. Non mais en fait t'as deux lignes là. Là si je le mets là. Oula oula oula. Commençons par en haut. Peut-être que. Après, soit là, soit là. Là, on peut le mettre normalement. On a fait toute la partie du haut. Parfait. Maintenant, il faut faire attention. Attends, les points, ils sont. Celui-là, celui-là. Après, qui va là, ici. On aura 6 points. Si je fais ça. Là. Il ne me reste 4. Ouais, 10h30. Petite énigme un peu. Là, ça fait tac tac tac, sauf lui. On pourrait peut-être remonter. Ouais. Non. Non, c'est bon. Pas que je mise clic. Voilà. Ça nous a libéré un passage secret. Tiens bon, Kate. J'arrive. Ah, mais Kate.
Watson ? Holmes ? Elle m'a eu. Elle... Où est-elle allée, Watson ? Où ? Je ne sais pas. Je crois qu'elle a dit qu'elle allait rejoindre une femme. Une demoiselle Destiny. Madame Destiny, c'est un bateau. Un bateau ? Par là, Watson ! Elle a enlevé... Oh non. Je ne peux pas y croire. Elle est folle, Watson. Elle a une pièce, regarde son père mort. Et maintenant, Kate est avec elle. Attends, mais c'est en feu. Faut se dépêcher. Oh, la barque. Elles sont sur le bateau. Vite, Watson. Oh, merde. Pas que je dois ramer. Ah non, c'est Watson, c'est bon. Ne bougez pas. Ok, ne bougez pas. Je pensais que j'allais lui donner la main. Où es-tu ? Je suis là! Saute! Alice! J'ai peur! Je sais, mais tout ira bien! Ça ne brûle pas, regarde! Allez, viens! Kate! Oh mon Dieu, non! Là, vite! Allez-vous-en! Kate! Tu n'es pas un monstre. Quoi ? Mais ça ne fait pas de toi un monstre ! Si ! C'est pour ça que vous m'avez toujours menti ! Non, j'avais peur. Je te mentais parce que j'avais peur de te perdre ! Mon Dieu ! Demande à Watson ! On m'a menti toute ma vie ! Pouvez-vous comprendre ce que c'est ? Non, tu n'es pas Alice. Je connais le mal. Toi, tu as un cœur pur, je le sais. Oh, esquive. Oh non, oh, 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 oh. Vite. Oui, il sait. Rien ne peut changer le destin. Écoute. Il a laissé George s'égorger Lord Marsh, déjà condamné par la tuberculose. Toi, c'est différent. Mais toi, c'est différent. Tu m'as à moi. Vous, vous me mettez en pension. Quand je reviens, on se dispute tout le temps. Vous avez honte de moi. Tout est ma faute. Non, non, c'est moi, Kate. Je n'ai jamais été patient. Mon père était pareil avec moi. Personne ne peut échapper à son destin. Pense à la bande de Rasco. Holmes n'a pas livré leur meurtrier. La mort était leur destin, Kate. Kate, ne l'écoute pas. Et Holmes finira assassiné. J'en ai eu la prémonition. J'ai lu les bouquins, surtout. Ah non! Ouf. Je serai peut-être tué un jour, mais je prends le risque, car mon devoir est de sauver des vies! Vraiment? Et Albate? Et Percy Fleming? Vous sauvez des vies? Non! Vous prenez des vies! Vous ne pouvez pas me sauver! Tu es tout pour moi. Kate, tu seras en sécurité avec moi, je te protégerai. Tu es tout pour moi. Comment lui faire confiance? Il a tué ton père. C'est relou, Alice. Pourquoi? Pourquoi vous l'avez tué? Euh...
J'ai pas fait les jeux précédents, c'était lui ou moi. C'était lui ou moi. Je n'ai pas eu le choix, Kate. Tu vois, tout est écrit. Souviens-toi. Les signes. Notre rencontre, la cérémonie. Et ton enfance. Kate, non, non. Comment cela peut-il effacer d'un coup toute ton enfance? Tu vois, il est temps. Oh, je l'ignore. Notre vie nous attend. Kate, que dire d'une femme qui garde les restes momifiés de son père? Elle est folle. Je m'en fiche. Ma place n'est pas ici. Nous sommes une famille. Ta place est avec moi, Kate. Nous sommes une famille. Papa, je ne sais plus ce que je fais. Aidez-moi. Ah ah, Kate. Et là, tu la loupes au dernier moment. Kate! Oh mon dieu! Oh. Tu n'as rien? C'était vraiment la fille du gars. Par ici! Vite! Le bateau coule! Moi aussi, Kate. Phew. C'était chaud. Ah, on a fini le jeu. Au final, cette dernière enquête qui a duré même pas une heure. Je pensais que ça allait être un poil plus long, mais bon. Ok, oui, le jeu il est cool. C'est rapide. Et là sur cette dernière affaire, j'ai de problème avec le jeu, je ne comprends pas. Ah oui, on a sauvé notre fille. Pas trop fort le son? Je vais baisser un peu. Ah non! Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Des crédits. Ah, c'est pas grave. On peut les remettre? Voilà, on les remet. Ah, c'est mieux. Je pense au niveau du son. Jamais passer les crédits, voyons. Bon, on l'a fait en quoi? Une petite dizaine d'heures. Après, j'ai jamais fait les précédents. Ça se fait sans... Ouais, il est pas très long. Ah, même en... Sans vous avoir fait les précédents, on peut le faire quand même. S'il y a des trucs que tu comprends pas forcément, t'es là, tu fais. Enfin, surtout la fin. Ouais.
16. Prenez-le sur Steam, il est pas très cher. Il était à 1€ et quelques, je crois, la dernière fois, tu m'as dit. Bon, même s'il y a des quelques soucis, le jeu qui fait un peu n'importe quoi, ça fait très bien. Je crois que c'est un jeu français en plus, hein. Enfin, fait par un studio français. A priori, vu les noms de famille, oui. Ah, c'est Frog, ça, je crois que c'est édité par Non, c'était Focus. Pour voir avec les voix françaises de la série, c'est ça aussi qui est bien. La série Sherlock, c'est pas Elementary. Donc ça rajoute un petit quelque chose en plus. Et ça, c'est bien. Il y avait en allemand. Quelque peu curieux. En tout cas, juste après le jeu, on va partir un peu sur du Isaac. Et à 13h30. Ça commence. Commence à faire des siennes.